Bon, après avoir passé une bonne après-midi dans la forêt, j'ai pas eu le temps de tout filmer. J'avais hâte de tester le Essi Junglas 2. Je savais qu'il avait beaucoup de qualité, mais honnêtement, j'étais au-dessous de la vérité. Ce couteau est vraiment fait pour aller batifoler dans les bois. Il a vraiment des qualités indéniables. J'ai bien fait de prendre le Junglas 2 avec une lame plus courte que le Junglas 1 parce que honnêtement, il est beaucoup plus polyvalent dans la forêt. Et franchement, son tranchant, depuis tout à l'heure que je coupe du bois à tour de bras, hormis les quelques marques qu'il peut y avoir sur le dos de la lame, franchement, c'est un super couteau. Rien à dire, pas besoin de dragon, la prise en main est excellente. Coupe à la volée, c'est du béton. Ça coupe du feu de Dieu. D'ailleurs, je suis même sûr que il serait capable de me raser le bras. Eh oui. Il rase encore, un petit pépère. Il rase encore. Vraiment très fort. Moi, j'aime beaucoup le 1095. C'est un super bon acier. Alors, je donne jamais de conseils. Je ne donne jamais de conseils. Si je devais en donner, honnêtement, ce serait le duo idéal. Le Essi Junglas et le Isula 2. Voilà. Avec ces deux-là, vous n'avez besoin de rien d'autre. C'est vraiment le super couteau. Il n'y a vraiment rien à dire. Voilà. C'était ma conclusion. Il est temps d'aller me faire chauffer ma petite popote, comme d'habitude. Et puis je me rentrerai tranquillement. Il fait encore beau. J'ai eu un peu de pluie tout à l'heure, mais bon. Hein, qu'est-ce que c'est ? Quelques gouttes de pluie après les grosses chaleurs qu'on a eues. Donc voilà, c'était quelques essais et une balade en forêt avec le Essi Junglas 2, accompagné de son petit frère, le Essi Isula 2. Et bien voilà, c'était la balade des numéros 2. Merci, à bientôt. Et toujours le roi des prairies, le roi des forêts, le roi co. C'était la petite minute publicité. Ah, je répète, elle est trop bonne. C'était la petite pause avec le roi des prairies, le roi des forêts, le roi co. Salut! Avec les petits croutons qui vont avec. Miam! Allez, salut à tous!
À bientôt et n'oubliez pas, restez affûtés.